Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyan's Reborn. Ce que vous voyez le corps représente ce que nous voyons dans le monde, dans notre monde. Les femmes qui se maquillent, les femmes qui s'habillent de façon sexy, des cheveux artificiels et des démons qui se cachent juste là en dessous. Vous voyez, on parle des sirènes. Parce que les femmes en général veulent ressembler aux sirènes. Or, les sirènes sont des démons. Et ce témoin puissant que nous allons écouter là maintenant, c'est un témoin puissant qui m'a tellement marqué que nous avons décidé de revenir encore sur certaines choses que vous devez savoir. Si Nyan's Reborn, si Dieu lui-même, il permet que nous revenions encore sur ces choses, c'est tout simplement parce que les humains doivent changer. Et les femmes en particulier. Ça ne sera pas facile pour elles. Parce que même en ce moment où je suis en train de vous parler, il y a une femme qui regarde cette vidéo et qui a mis des rouges à lèvres comme cette fille qui est à l'écran. En plus, il y a des faux cheveux, ou encore les perruques, ou encore les mèches. Les gens disent que Dieu ne regarde pas au corps. Mais ici, un démon va nous expliquer comment ils arrivent à envoyer les femmes en enfer, à envoyer les gens en enfer, à partir des produits qu'ils nous présentent sur la terre ici. Ça veut dire que toi, tu peux aller par exemple dans une boîte de nuit. Et dès que tu arrives dans la boîte de nuit, tu vois une boisson. Ils vont te communiquer cette boisson. Tu vas dire que non, toi tu n'es pas alcoolique, tu n'es pas la boisson alcoolisée. Tu vas désirer avoir une boisson énergétique. Et c'est là qu'ils vont te proposer une boisson énergétique qui est tout simplement quelque chose de vraiment waouh, bizarre qui va t'amener en enfer, parce que les démons vont te condamner après. Ils vont te dire que l'énergie qui est dans l'intérieur de ces boissons, ça vient de exactement comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente. Ce qui est sûr, vous allez écouter de vous-même. Nous allons écouter encore ce témoignage et nous allons savoir réellement ce que Dieu veut pas qu'on prenne sur nous. Et vous serez même surpris parce que ce démon l'a révélé. Il parlera de femmes sexy comme les filles qui sont là-bas. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Avant d'entrer ce témoin puissant, je pense qu'il est bien compris et qu'on demande à Dieu de nous aider. Parce que ce ne sera pas facile de recevoir toutes ces informations. Il y a certaines femmes qui ont dit, oh, c'est grave, mais comment on va faire? Je suis sûr que Dieu comprend. Ma soeur, Dieu ne comprend plus. Nous devons changer. Prions, mes frères et soeurs, fermons les yeux ensemble et disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens ranger notre vie. Viens nous délivrer. Viens nous libérer de tous nos oppresseurs, de tous ceux qui nous oppressent. Libère-nous aujourd'hui de toutes les choses qui ne te glorifient pas, qui se trouvent dans nos vies. Que toutes ces choses soient révélées encore, afin que ça puisse bien entrer dans notre cœur et que nous puissions nous en détacher totalement. Une bonne fois pour toutes, nous devons être accrochés à la parole de Dieu. Pour une bonne fois pour toutes, nous devons suivre ton chemin, Seigneur notre Dieu. Nous savons que tu es saint. Et tu veux que nous soyons saints comme toi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous d'abord nos péchés. Purifie-nous. Lave nos vêtements. Et délivre-nous encore de tout ce qui n'est pas de toi autour de nous. Tous les démons qui travaillent pour essayer de distraire les abonnés et empêcher les cœurs d'accepter cette vérité-là, au nom de Jésus, que tous les plans de ces démons-là soient détruits au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous guider, de nous protéger et de permettre que nos cœurs ne soient pas endurcis à l'écoute de ta vérité. Amen. Mes frères et sœurs, le tournoi va commencer, nous allons écouter. Ça parlera même de la musique et comment le diable passe par la télévision aussi pour avoir les gens. Ça parlera de tout et de tout. Écoutons ensemble jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de stop, ça ne sera pas bloqué. Écoutez bien, c'est pourquoi nous reprenons ce témoignage. Écoutez. Le monstre rigola méchamment et dit, « Nous avons un grand message pour le reste de ceux qui sont encore vivants sur Terre. Nos produits sont très bons pour votre santé, votre plaisir, vos distractions et divertissements, votre beauté. C'est les meilleurs sur le marché et le plus fort comparé aux autres produits du marché.
et c'est à des prix abordables. Prenez le vôtre dans le supermarché, la boutique la plus proche. Il y a aussi des voitures qui portent notre nom et notre marque visible par tous, mais les gens ne regardent pas ça. C'est un démon qui est en train de parler, hein. Écoutez-le bien. Qui porte notre nom et notre marque visible par tous, mais les gens ne regardent pas ça, parce qu'ils les aiment. Nous avons aussi notre marque 666 dans les médicaments, dans des boissons alcoolisées et non alcooliques, même énergisantes. Nous avons même pensé aux chrétiens ignorants. Nous leur fabriquons des bières dites non alcoolisées pour satisfaire leur désir de prendre aussi de la bière. Beaucoup peuvent consommer nos produits sans modération. Nous avons nos marques sur des chaussures, des t-shirts et des casquettes, des tissus, des appareils électroniques et numériques. En fait, nous sommes les rois de la technologie. Nous sommes les meilleurs dans la cosmétique et la mode. Des millions de femmes utilisent et portent nos produits. Vanessa, voyez comment vous avez l'air très belle et sexy. Ce sont nos produits qui t'ont transformée en une belle fille. Ton Dieu ne t'a jamais créé une belle fille. Regarde ta peau séduisant, éclatant. Ton passage fait tourner la tête à tous les hommes qui ont déjà couché avec toi spirituellement dans leur cœur. Nous sommes également responsables de mèches et cheveux artificiels que tu portais sur la terre, y compris les vernis sur tes doigts, même le rouge à lèvres que tu aimes employer. Nous produisons les collants et les pantalons pour femmes, mais aussi les mini-jupes, les chaussures en sabots que vous appelez au talon. Nous on l'appelle sabot. Nous produisons les pommades et les éclaircissants pour changer la couleur de votre peau. Nous sommes responsables des tatouages, les boucles d'oreilles, les perles, les bagues, les chaînettes. Tous ceux-ci sont nos produits. Et ces produits t'ont servi et t'ont rendu belle aux yeux du monde sur la terre. Nous avons donc créé toutes ces choses pour satisfaire votre désir de ressembler à nos sirènes de la mer, et notre reine Jézabel. Or votre Bible interdit de toucher à ces choses. Plus précisément dans 1 Timothée 2 verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, disent mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais vous ne voulez pas entendre parler de ces passages, et nos pasteurs missionnaires vous font croire que Dieu ne regarde pas le corps mais seulement le cœur. » Le monstre continue et dit, « Nous avons même infiltré beaucoup d'églises dites évangéliques juste par nos produits cosmétiques et les parures. Nous savons bien que votre Dieu n'accepterait jamais habiter ces lieux remplis de nos articles. C'est pourquoi il a chassé les vendeurs de son temple, mais aujourd'hui c'est les chrétiens même qui lui chassent et nous accueillent en adoptant nos produits. Par nos produits nous avons rempli ces églises. S'ils dansent, nous dansons aussi avec eux. S'ils sautent, nous sautons aussi avec eux. S'ils prêchent, nous sommes juste là debout à côté d'eux sur leur pupitre. Mais personne ne peut soupçonner notre présence et nous repérer car notre système de camouflage et d'espionnage est très sophistiqué. Qui va leur dire que leurs mèches et cheveux artificiels sont à vrai dire des serpents? Regardez même les femmes de pasteurs de ces assemblées. C'est d'ailleurs ces femmes de pasteurs qui font la grande publicité de nos ornements et nos produits cosmétiques. Elles sont toujours maquillées avec nos produits. Nous avons réussi à mettre des milliers d'églises sous notre contrôle. Les seules qui nous échappent encore sont celles qui nous combattent, en interdisant nos produits. Ce sont nos ennemis jurés. C'est pourquoi nous les persécutons financièrement. Nous détournons tous les hommes riches de chez eux, pour les conduire vers les églises qui nous appartiennent. Et nous endurcissons aussi le cœur de certains chrétiens pour ne jamais payer leurs dîmes et les offrandes. Nous mettons dans leur tête que c'est pour enrichir leur pasteur. Or Dieu les voit comme des voleurs. Nous avons aussi beaucoup de faux enseignants sur YouTube qui leur déconseillent de payer la dîme. Voyez comment vous êtes vraiment naïfs. Nos produits de beauté sont donc partout sur la terre. Et quiconque porte ces choses se range de notre côté. Il nous donne permission et le mandat de contrôler sa vie sur terre. Nous la rendrons belle aux yeux du monde mais son âme est capturée. Elle porte donc notre marque 666 et aucune prière ne peut la délivrer de notre main. Sauf si elle se dépouille de nos objets et les enlève et se repent sur terre avant de venir ici. Or par ces choses nous avons compris que les humains nous aiment plus que celui qui s'est sacrifié pour eux. Ils se moquent même de lui. Nous avons aussi ouvert de nombreux restaurants partout dans le monde pour que vous consommiez nos boissons. Nous vous donnons le meilleur service. Nos belles dames sexy sont aussi là pour satisfaire sexuellement vos hommes qui sont déçus par leurs femmes à la maison. Voyez comment les hommes mariés et même les vieux viennent coucher avec nos filles dans les hôtels, auberges et chambres de passage. Nous avons aussi beaucoup de programmes TV de Canal+, chaînes et autres qui travaillent pour notre royaume. Nous transmettons par ces chaînes des dessins animés pour capturer les âmes des enfants à bas âge, et pour les mettre à notre service. Ils grandissent donc avec notre système d'éducation conçu pour les humains. Par ces images qu'ils raffolent, ils sont initiés à la délinquance, la rébellion face à leurs parents, la drogue. Beaucoup de nos feuilletons sont envoyés sur terre pour contrôler les foyers.
surtout les foyers chrétiens. Ces foyers sont contrôlés par nos sirènes postées dans ces foyers pour créer l'assouplissance spirituelle. Ainsi, après le feuilleton, tout le monde va au lit en prière. Ces foyers se regroupent autour de nos images à une rendez-vous précis, qu'elles ne ratent jamais. Les jeunes sont capturés à travers les clips de nos artistes qui nous ont déjà vendu leur âme, et qui travaillent pour nous dans le contrat. Ils sont tenus de véhiculer nos blasphèmes et moqueries à l'égard de Dieu dans leurs chansons. Et ils doivent aussi nous invoquer. Ils sont les plus célèbres de la planète. Ils doivent chaque fois faire nos signes cornus de salutation dans leurs concerts, pour nous attester qu'ils respectent notre contrat. Sinon nous les égorgerons et leur âme atterrisse ici. Des films porno sont gratuitement offerts aux jeunes en puberté, pour vite les initier à la masturbation. Nos agents sont programmés pour recueillir leurs semences à chaque masturbation, car ce liquide est précieux pour nous, et nous permettent d'alimenter nos réseaux de puissance magique, et nous avons des pasteurs en quête de pouvoir de miracles de guérison. Nous avons aussi notre système de distraction et de divertissement bien organisé comme le football et autres, qui rassemble toute la planète à notre cause pour nous rendre un culte. C'est pourquoi nous fournissons de richesses aux joueurs et le rendons riche et célèbre pour nous faire la publicité. Beaucoup de gens, même chrétiens, ont pour Dieu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o. Tous ceux-là sont payés pour nous servir et céder leur âme, et ceux qui les applaudissent et supportent sont aussitôt dans nos cages réservées pour les ignorants. Nous travaillons sérieusement pour le développement des nouvelles technologies sur tous les médias sociaux et l'Internet, et vous pouvez passer tout votre temps dans les réseaux sociaux et abandonner votre livre appelé Bible. Nous avons aussi ouvert beaucoup d'églises qui prêchent notre évangile de la prospérité. Nous avons donné à ces pasteurs qui travaillent pour nous des pouvoirs magiques pour faire toutes sortes de miracles et de prodiges pour nous gagner plus d'âmes. Nous n'avons pas de temps à perdre comme vous. Nous sommes donc dans tous les domaines sur Terre. Nous avons le monde sous notre contrôle et nous développons chaque jour de nouvelles stratégies d'action. Les seuls qui peuvent nous ralentir sont les vrais chrétiens intègres qui prient sérieusement. Mais ils sont de plus en plus rares à cause des soucis de la vie et les tribulations. Notre objectif, c'est juste d'empêcher les humains d'aller là où nous avons été chassés. Nous travaillons pour bloquer un maximum de chrétiens lors de la trompette de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes pas prêts à descendre seuls dans le lac de feu et soufre. Regardez tout ce beau monde qui travaille pour nous, pour la consommation en base de nos produits et services les yeux fermés. Mais ici dans l'au-delà, vos yeux s'ouvriront et vous verrez que vous n'avez jamais été chrétien, car les vrais chrétiens sont vigilants et ils veillent sur leurs âmes, et ils ne touchent pas aux choses impures. Mais vous êtes tellement ignorants que vous oubliez que vous ne faites pas de transactions en billets de cash avec nous, mais plutôt en utilisant nos produits. On a juste besoin de vos âmes, et on sera là en train de vous entendre à la porte de l'au-delà pour vous conduire en enfer. Les hommes votent pour nous et rejettent leur créateur, c'est leur choix. Mais ici nous ne connaissons pas de pitié, nous ne descendrons pas seuls dans ce grand lac de feu et du soufre. Maintenant Vanessa, suis-nous, c'est ton tour d'aller goûter à nos coups de lancer de glaive en enfer, où des pleurs et des grincements de dents attendent. On a du travail avec d'autres arrivées. À ces mots, Vanessa sursauta de son sommeil avec des pleurs et tremblements. C'est alors qu'elle sut que c'était une vision du Seigneur pour l'avertir et préserver son âme de l'enfer. La Bible déclare dans Job 33 versets 14 à 18, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Que celui qui a donc de l'intelligence pour comprendre comprenne cette vision destinée aux vierges sages. » Il est écrit dans 2 Corinthiens 6 verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Le Seigneur dit dans Apocalypse 22 verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est censé sanctifie encore. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus-Christ vous aime, sortez donc du monde et convertissez-vous et repentez-vous. » Témoignage traduit en français par l'évangéliste Jean-Gratien Macounagnon, téléphone 00 229 97 25 30. Vous avez entendu ça mes frères et sœurs? Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître étrangissime, mais ce sont des révélations à ne pas laisser passer. C'est l'heure d'analyser votre vie et de chercher à savoir qu'est-ce que vous faites encore qui n'est pas la gloire de Dieu. Si nous sommes revenus sur ces choses encore, même dans cette vidéo, c'est que le Seigneur notre Dieu veut vraiment sauver beaucoup d'âmes.
On nous a dit que la seule manière de délivrer ces choses, c'est de les abandonner. C'est-à-dire que la femme qui porte ça, ses bijoux comme ça et tous ses ornements, elle doit les enlever. Ou elle a pris son argent, beaucoup d'argent pour l'acheter. Cela va dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'es-tu prêt à faire pour Dieu? Qu'es-tu prêt à faire pour aller au ciel? De toute façon, quand tu t'habilles de façon sexy, tes seins sont exposés, comme vous le voyez même là-bas. Ce n'est pas une chose qu'on voit les gens au ciel. C'est pourquoi nous avons fait toutes ces vidéos-là, rien que pour vous. Le travail commence maintenant. Vous pourrez ne pas recevoir les notifications sur la prochaine vidéo, mais sachez que nous sommes réveillés et nous sommes en train de travailler. Sans doute, une autre vidéo va suivre. Restez connectés, abonnez-vous et en cliquant sur le bouton bonne juste en dessous de cette vidéo, vous aurez accès à la page à laquelle vous allez voir nos trois autres chaînes. Abonnez-vous sur toutes nos trois autres chaînes. Nous comptons sur vous. Prenez soin de vous et que Dieu vous aide dans votre démarche de la transformation que vous allez faire maintenant. Prenez soin de vous.